Bonjour à tous, bienvenue sur 101%, 101%, l'émission quotidienne de No Life où on peut gagner des cadeaux. Rappelez-vous, il y a une petite mallette à gagner, il y a un petit concours, il faut regarder tous les jours No Life. Enfin bon, là maintenant c'est peut-être un peu tard puisqu'on est déjà mercredi. On est mercredi, donc vous avez peut-être loupé deux mots. Il y a une phrase à reconstituer tous les soirs sur No Life entre 19h et 23h et vous pouvez gagner la mallette des City Hunter, tout City Hunter, en VF et en version originale sous-titrée. Voilà, avec même les tétons des filles qu'on voit. J'ai regardé, j'ai vu. Alors, c'est à 101% plutôt pas mal, puisqu'on a une critique sur Castlevania The Dracula X Chronicles. On n'a pas trouvé de titre plus long. La Minute du Geek, Tokyo Café, et puis on commence avec les news. Afin de lutter contre les problèmes rencontrés par l'industrie du jeu PC, plusieurs géants de ce domaine ont décidé d'unir leurs forces. Microsoft, AMD, Intel, Nvidia ou encore Epic Games et Activision travailleront ainsi main dans la main pour redonner ces lettres de noblesse au PC, en tant que plateforme de jeu. Pour ce faire, plusieurs axes de réflexion ont déjà été dégagés. Le piratage, la tricherie, la sécurité ou encore l'introduction de nouvelles technologies seront ainsi des chantiers primordiaux. La Game Developers Conference, qui a fermé ses portes vendredi dernier, a été l'occasion idéale pour certains éditeurs de dévoiler la date de sortie de leur jeu phare. Tecmo a par exemple annoncé que le très attendu Ninja Gaiden 2, exclusif à la Xbox 360, sortirait le 3 juin prochain aux États-Unis. Si tout va bien, il devrait également arriver en Europe dans le courant de ce même mois. When High Infernal Priest Dagradai resurrects and restores the Archfiend to power. Capcom en a lui aussi profité pour préciser que Bionic Commando Rearmed débarquerait au mois de mai sur Xbox Live Arcade, PlayStation Network et PC. Attention, il ne faut pas confondre ce remake avec l'autre version de Bionic Commando qui sera, elle, entièrement retravaillée pour les consoles nouvelle génération. Intégré à l'excellente Orange Box, le FPS Portal avait fait sensation auprès des joueurs par la variété de son gameplay et l'expérience inédite qui en découlait, malgré une durée de vie très faible. Mais comme on pouvait s'en douter, devant le succès rencontré par leur jeu, les développeurs de chez Valve ont décidé de travailler sur une suite. L'annonce a été faite par Kimberly Swift, lead designer sur le premier épisode, qui n'a au passage révélé aucun autre détail à propos de ce Portal deuxième du nom. ベースのエビです。ドラムのベンカです。ボーカルのミカルです。ギターのエリナです。ギターのケイです。まあ2回目なんですけど、あのフランスに来るの、どうだろうなと思って、1回目来た時、まあ、反応すごかったんで、あの2回目来た時にどうなるのかなと思ってすごい不安だったんですけど、もうライブが始まると同時に、わあこれ来てよかったな、はい、もう歓声もすごくて、まあいざ始まったらもうなんだろう、そのライブのノリっていうか、うん、もう自分たちもびっくりするぐらい、もう。みんなすごい熱狂的かなっていうのは思います。うん、やっぱ挨拶の仕方、まあまあ前来た時も思ったんですけど、やっぱ違うじゃないですか。だからすごいフレンドリーっていうか、まあ日本人とはまあちょっと感覚が違うのかなっていう部分はありましたけど、可愛い子も綺麗な人もいっぱいいるな、素敵ななんか
綺麗な首筋を見るとなんかこうゾクゾクします。素敵でした。前回もサイン会やったんですけど、今日改めてサイン会やってみて、なんか日本語喋れる子たちがすごい増えてるかな。あの普段の殿下さんと同じ被り方をしている日東方の人がいたんですよ。それ見て自分感動しましたね。この被り方は本当本当日本とヨーロッパは共通なんだなって思います。ちょっと空港でトラブルが起こり、俺の衣装が俺の手元に届いてないって。で昨日のライブは急遽、まあこっちの人のなんかビジュアル系ショップみたいなところで深夜に、まあ、無理って開けてもらって、その中からまあとりあえず切れそうなのをチョイスして、まあ服何より俺がいりゃいいでしょみたいな、そんな感じで、まあもうすぐしたら俺の背中にまた翼が生えることになりますけど、それはそれで楽しみに待っててくれたらいいな。ライブ中もなんていうのかな、すごい暴れっぷりとかなんかかなりクレイジーで、はい、子が結構多くて、僕らそういう子が大好きなんで。まあ、ディオのファンの中でも俺のファンに対するなら、まあさらに特別可愛くて仕方ないんで、 もっともっと俺の前で本来その子が持つ最強にクレイジーな姿を見せてほしいし、これからも一生ディオのものであり俺のものでいてほしいと願います。1回しかライブまだやってないんですけど、今回今後あと7か8回ぐらいあるんですけど、フランスで、全力でぶつかってきてくれっていう、こちらも全力でこう行くんでよろしくお願いします。Castlevania, tu trouves ça plus classe ou moins classe que Dracula X ? Castlevania, je trouve ça beaucoup plus classe que Dracula X, parce que Dracula X, j'ai l'impression que c'est un film où ça va pas forcément parler de mecs qui combattent des vampires. Ou alors pas avec le même style de pieux, quoi. Enfin, mais c'est une mode hein, dans les jeux vidéo, toujours à un moment, quand ils font beaucoup de suites, à un moment tu vas voir un X, quoi. Megaman, paf ! Megaman, X, quoi. Castlevania, Dracula, X ! Bon, on n'a pas eu encore de Mario X, mais je pense que Nintendo, ils font un peu la gueule là-dessus. Mario X, avec la Wiimote. Bon, on regarde la critique de Castlevania The Dracula X Chronicles. On trouve sur PSP beaucoup de portages de jeux. Konami ne fait pas exception. L'éditeur y a déjà sorti Gradius Collection ou encore Parodius Portable. Ces deux titres étaient des compilations des licences qui ont fait la gloire de l'éditeur. Et pourtant, il en manquait au moins une autre si l'on compte les séries mythiques de Konami. Le mal est aujourd'hui réparé avec Castlevania The Dracula X Chronicles. Ce titre diffère de ce qui avait été fait avec Gradius Collection et Parodius Portable. En effet, ces derniers étaient des simples portages et permettaient de s'essayer à la quasi-totalité des jeux de ces séries. Castlevania The Dracula X Chronicles propose non pas une série d'épisodes, mais de vivre les péripéties d'un membre du clan Belmont, Richter.
Le jeu n'est pas non plus un simple portage, puisqu'il comprend un remake du trop méconnu Castlevania Rondo of Blood, connu sous le nom de Chinoland au Japon. On y trouve aussi le célèbre Symphony of the Night, qui était la suite directe de Rondo of Blood. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. En 1792, Shaft, un prêtre des forces maléfiques, a en vue de ressusciter le Seigneur des Ténèbres. Pour assouvir ses sombres desseins, il attaque un village, celui de Richter, membre du clan Belmont, une lignée de chasseurs de vampires. Il y enlève des habitants, mais surtout des jeunes filles, pour les sacrifier dans des messes noires. Il s'en prend notamment à Maria Renard, une jeune chasseuse de vampires ayant des pouvoirs mystiques, mais aussi à la personne de trop, Annette, la compagne de Richter. Richter, armé de son fouet, le vampire killer, s'en va affronter Castlevania, le château de Dracula, pour sauver les villageois, mais aussi pour accomplir le destin de la lignée des Belmont, éradiquer Dracula. Mais Shaft sait bien que ce n'est pas la noirceur du conte qui lui permet de le ressusciter, mais bien le mal que tout être humain a au fond de lui. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kam es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Castlevania The Dracula X Chronicles présente un remake de Castlevania Rondo of Blood avec des graphismes plus dans l'air du temps et en 3D, mais un gameplay quasi inchangé. On retrouve donc une touche pour le saut et une autre pour le fouet. On peut aussi assigner une sous-arme comme une dague, un boomerang ou encore une hache. Chaque sous-arme a ses propres caractéristiques. La dague fonce tout droit alors que la hache fait une cloche. Utiliser une de ces armes fait baisser son nombre de cœurs. Les cœurs ne sont pas la vitalité, mais le taux d'utilisation d'une sous-arme. Le joueur dirige donc Richter dans plusieurs niveaux qui se finissent par un boss. Cependant, cet épisode voit apparaître le Item Crash, en appuyant sur le bouton triangle. Le Item Crash est une version surboostée de la sous-arme, qui en revanche consomme beaucoup plus de cœur que d'habitude. Rondo of Blood est d'ailleurs moins linéaire que les précédents épisodes de la saga, car à la manière d'un Super Mario World, il y a des routes alternatives. Elles sont souvent bien cachées et permettront surtout de débloquer tous les secrets du jeu. Pour pouvoir jouer avec Maria, il faudra d'ailleurs emprunter une de ces routes. Car oui, il sera possible de jouer avec la chasseuse de vampires en devenir. À défaut de fouet, elle se battra avec l'aide de ses animaux compagnons. Elle a aussi dans sa panoplie le double saut qui est souvent salvateur et permet parfois de prendre des raccourcis. Le jeu s'avère d'ailleurs plus facile lorsque l'on choisit Maria plutôt que Richter. Il y a aussi des quêtes annexes, comme trouver les autres otages du village comme Annette, la petite amie de Richter. On peut aussi trouver dans le menu le mode Boss Rush, qui, comme son nom l'indique, propose d'affronter à la suite tous les boss du jeu, et tout ça avec une seule jauge de vie. Il est intéressant de noter que le jeu original peut être débloqué, ce qui permet de faire directement la comparaison avec les deux titres. Il faut avouer que le charme de la version originale plaira plus aux rétro-gamers. Même si les designs ne sont pas pour autant signés Kojima Ayami, en fait, ils ont un petit côté animé des années 90. La version originale était aussi en 2D, mais quand on est nostalgique, on préfère les bons gros pixels. Le joueur tenace qui aura trouvé un item caché aura la joie de débloquer l'accès à Castlevania Symphony of the Night, présent en intégralité dans cette version. Le jeu avait marqué avec son gameplay complètement nouveau pour la saga, même s'il s'était quasiment copié sur Metroid. Cependant, ce lifting inattendu en avait fait pour beaucoup le meilleur épisode de la série. De plus, cet épisode tient plus du RPG que du jeu de plateforme classique, grâce à son système d'expérience, d'inventaire et de gestion de la magie. Il aurait mérité d'ailleurs plus d'égards ici. En effet, il n'a pas été adapté pour la PSP et il s'agit d'un simple portage. On se retrouve avec deux gros bords décorés pour combler l'écran large de la PSP. Il faut toutefois noter que sont disponibles les textes en français, mais surtout avec les voix en japonais. Et ça par contre, c'est la cerise sur le gâteau. Pour rallonger un peu la durée de vie, il y a les musiques à débloquer dans les niveaux de jeu. Une fois débloquées, ces musiques peuvent être lues via un menu spécial, ce qui permet de transformer la PSP en lecteur d'OST des deux épisodes.
Ça fera l'économie des deux bandes originales qui sont de toute façon indispensables vu leur qualité. Il faut bien comprendre que Rondo of Blood est une pierre angulaire dans la saga des Castlevania. Surtout si on le couple avec Symphony of the Night, ce dernier ayant fortement influencé les épisodes suivants, notamment sur GBA ou sur DS. Il était donc normal que par souci de cohérence, Kojima Ayami, la célèbre designer de Symphony of the Night, reprenne Rondo of Blood pour le remanier à sa sauce. Cela permettra à ceux qui se sont essayés directement à Symphony of the Night, sans passer par Rondo of Blood, de mieux comprendre le scénario de celui-ci. Le joueur pourra désormais oublier le mauvais souvenir de Vampire's Kiss, qui était un espèce de remake mal fichu de Rondo of Blood sur Super Nintendo. En proposant les deux titres les plus forts de la série, Castlevania The Dracula X Chronicles devient un indispensable pour tout amoureux de la saga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'aime beaucoup. Ah non, non, c'est pas ça. Enfin, j'aime bien. Oh, oh ben, dis donc. Ok, le clou. Alors, on se dit, c'est pas un titre quand même pour un comics où les mecs ils vont se bastonner la gueule. Ça s'appelle Le Clou, c'est la Justice League of America. C'est par Alan Davis et Mark Fermer chez Panini Comics. C'est DC, bien sûr. Oui, Le Clou, un nom complètement bizarre pour un truc avec des mecs en collant et des slips par-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, je vous donne juste le début, les cinq premières pages. Imaginez, donc vous savez, Superman, il arrive sur Terre, dans un vaisseau, il est bébé, et il y a les Kent qui allaient en ville en voiture pour aller faire leurs courses, et là, ils voient une météorite qui s'explose par terre, ils font « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Ils vont voir, et là, il y a un enfant dedans, c'est pas une météorite, c'est un petit vaisseau spatial, ils l'adoptent, et plus tard, ça devient Clark Kent, qui est d'autre que Superman, et qui fait régner la loi et l'ordre sur Metropolis. Eh bien, dans Le Clou, on retourne dans le passé, on voit les Kent qui vont partir au marché, et là, ils roulent sur un clou. Ils crèvent. Alors, ils rentrent à la maison, et ils font l'amour. Et ils ne trouvent jamais Clark Kent. Et Superman n'existe pas. Voilà, c'est ça Le Clou. C'est vachement bien. Voilà. Et on regarde la Minute du Geek sur Internet. C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? C'est ce que c'est Internet ? Ouais, bah, quand j'étais au lycée, moi, je dormais à l'internat. Non, l'internat. Si, non, l'internat, le truc où tu peux commander des pizzas, recevoir des lettres, mais pas en papier. Ah oui, 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 ouais. Ouais. Bah, c'est son anniversaire, ça existe depuis 10 ans. 10 ans. Objection ! C'est en effet il y a une dizaine d'années que vous, ou vos grands frères et sœurs, découvriez cette merveilleuse perte de temps qu'est Internet, qui est devenue totalement indispensable à tant d'entre nous. Mais Internet, sous sa forme primitive, est apparu dans les années 60. À l'époque, c'était un projet militaire, comme Régis Robert, et ça s'appelait ARPANET. C'était donc le réseau de l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency. Dans les années 70, ARPANET est étendu aux universités américaines, et notamment l'Université de Californie et l'Université de Stanford. Après, dans les années 80, progressivement, ARPANET va prendre le nom d'Internet et s'ouvrir à un plus grand nombre de personnes. Mais le vrai boom, la vraie ouverture au grand public ne survient qu'à la fin des années 80 grâce à un individu du nom de Tim Berners-Lee. Si vous ne devez retenir qu'un seul nom, retenez celui-là. Tim Berners-Lee était un chercheur au CERN de Genève, le laboratoire européen de physique des particules. Et Tim Berners-Lee a donc eu un problème avec les documents scientifiques qui étaient laissés sur les ordinateurs du CERN et qui étaient tous mis en forme de manière assez chaotique avec notamment les images qui étaient stockées à part des textes. Alors un midi, à la cafette, Tim Berners-Lee propose à ses collègues « Il faudrait mettre au point un langage simple qui permettrait à tout le monde de mettre en forme simplement ces documents. » Alors les autres lui ont répondu « Chiche !» Et Tim Berners-Lee, entre deux pauses clopes, a inventé le HTML. Et oui, le HTML qu'on retrouve dans toutes les pages internet, même si maintenant il est concurrencé par le XML et autres formats barbares. Tim Berners-Lee ne s'arrête pas en si bon chemin. En 1991, il invente le protocole World Wide Web, le fameux 3W,
qui va permettre à tout un chacun, ou presque, d'accéder à des pages HTML aux quatre coins du monde. C'est le lancement, proprement dit, d'Internet sous sa forme actuelle. Ensuite, ça va très très vite. En 1993, on voit apparaître le premier navigateur. Aux États-Unis, tout le monde s'éclate avec AOL. Et en France, on est resté au Minitel parce qu'on est détanche. En 1994, Tim Berners-Lee invente également le W3C. Alors le W3C était prévu comme une charte permettant de simplifier l'intercompatibilité entre les différents sites Internet. À l'époque, tout le monde s'en contrefichait. Et puis, 10 ans plus tard, donc il y a 4 ou 5 ans maintenant, une bande de nerds s'en sont rappelés. Ont déterré le W3C et maintenant ils font suer royalement le reste du monde d'Internet avec ça. Police de W3C! Vous ne respectez pas la charte. Alors le chien, l'épisode... Alors bon, on est mercredi, ça va être Tokyo Café. Alors Tokyo Café, ça va, c'est assez spécial comme émission puisqu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'on peut retrouver Suzuka dans une convention, en train d'interviewer des gens, dans un concert. On peut la voir dans un magasin au Japon qui nous fait totalement rêver. On peut la voir raconter l'histoire d'un chien. Enfin, ça surprend toujours. Alors oui, l'histoire du chien, Alex, je l'ai vue. Et j'ai hésité entre rire ou pleurer, pour de vrai. Ou pleurer de rire, ou pleurer parce que je ris. Enfin, je sais pas, mais... C'est limite pathétique, et après c'est drôle en même temps. Voilà. Mais j'ai vu sur le forum qu'il y avait des gens qui avaient vraiment pleuré, donc je ne vais pas me moquer d'eux. Vous avez raison, c'est quelque chose de triste. C'est un chien qui a quand même vécu l'enfer. Il a sa statue et... Et on regarde Tokyo Café. Oui, il est temps. Il est temps. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. ということでですね、私は今日は農業サロンに来ております。というわけでですね、私今、サロン・ドゥ・ラグリクルチュールにいるわけですけれども、なんと、R3G37 には、日本のブースも出てます。さあ、今日みんなで日本のこのブースを楽しんでみましょう。何があるかな？お寿司セットを売ってらっしゃいますね。しかもなんかちょっとプロモーションですよ。お寿司作るにはいろんな材料が必要です。まず絶対に必要なのがお米。で、スーパーとかで売ってるお米じゃダメなんです。ブーなんです。この日本のリホンを使うと美味しいお寿司ができるんですね。お寿司はリビネグルなので、ちゃんとこの寿司酢、寿司酢、ビネグルドゥ、寿司を使います。そしてもちろん肝心なのがデザルグ。お寿司の命と言ってもいいのが美味しいお醤油です。このね、やっぱね、今最近スーパーマーケットでもお醤油売ってて、私もたまに買うんですけれども、お寿司の味が違うんです。醤油の日本のお醤油がお寿司には合います。ああ、日本のお菓子もありますね。ネギ味噌、ネギ味噌。あ、ぜひぜひ、いいですか？はい。ネギ味噌、フランス語で何て言えばいいんですかね？味噌は、ですね、ポワゴがネギで、味噌がパットド味噌。では、いただきます。パク。うん。お味噌の、おいしい、お味噌の味がします。抹茶の羊羹ですけれども。ありがとうございます。羊羹好きです。おいしい。ちゃんとね、人がいっぱいで見れないって時にもこう先生の手元が鏡で映るんですね。これ学校なんかにもね、調理実習の教室なんかも日本こういう風になってるんですけど、フランスもこうなんですか？あ、違うの？お料理教室開始です。東京クッキング。お前家からおめでとうぞ。何？いや、クッキってクッキってコードを消したのか。C'est un peu de l'eau.
とは。いただいちゃいました。というわけで食べますよ。美味しそう。すごい久しぶり、私炊き込みご飯食べるの。美味しい。 Excuse moi, peux-tu le trouver comment? Très bon. Et c'est très doux, c'est agréable et voilà, c'est très bon. Est-ce que vous allez essayer de le cuisiner? Oui.J'ai essayé, ça a l'air simple, donc voilà. C'est très bon, c'est excellent. Je le trouve bon et pas trop... enfin, on est, moi j'ai des origines italiennes, donc on a l'habitude de manger du riz et pas trop surpris, quoi. Surpris en bien, mais normalement. Merci. こちらですね、なのでこれ作りたいなと思ったらこれが完成図で裏にルセットが書いてあるので簡単にお家で作れちゃいます。みんなもエッセイしてください。これは日本のお蕎麦ですね。日本の蕎麦粉っていうのをね、使って作るニューユースペシャルジャポネーズです。日本食といったらお寿司しか知らない方が多いので、他にもあるということをこう出汁とか本当日本の味を知ってもらおうと思ってお蕎麦を出しております。おいしいです。トボン、トボン、うん、本当においしいです。お味噌汁、お味噌汁というのはですね、日本のスープのとてもアビチュールなものです。さあ、ここにお味噌のエクスプリカションが出ています。これね、さっきもおばちゃんね、味噌、私味噌飲んだことあるけど味噌って言ってましたが、これは味噌と発音します。日本語はね、ここにねボワイエルが囲まれてても S の発音をします。ボワイエル気にしないでください。お豆腐とわかめが入ってます。簡単に作れますか？あ、もちろん。お味噌はポイントはお味噌を、沸騰させないように、お味噌は最後に入れてください。で、隣のお茶菓子が何があるのか見てみましょう。これ何ですか？フォアデポワソン。こちらはタイの形をした和菓子で、中にあんが、白あんが入ってるんですね。で、あとはこちら栗の入ってるお饅頭と、やっぱりお抹茶の入ってるあんのお饅頭と、日本ではおなじみのどら焼きですね。結構こちらはフランスの方にも人気です。ご飯を食べてお茶を飲んでデザート食べた、さあ夜はこれから日本人はお酒を飲んで楽しみます。いろんな種類がありますね。もうお酒のね、瓶のデザインだけでもこう日本の和を感じて美しいですね。これはですね、マスと言いまして、木でできてる、これがね、なんとコップなんです。飲みすぎるとね体に悪いんで、皆さん気をつけて楽しみましょう。お酒はね、これお客さんが来てデギュスタッションするのおいくらかかります？1ユーロです。1ユーロで1杯、プラスチックのコップに1杯、もしくは小さいグラスで2種類か3種類少しずつテイスティングしていただくことになっております。みんなもぜひまだ日本酒飲んだことな、試したことない人、本当によくね、日本酒はアルコール度が高いからって言うんだけれども、全然そんなことなくね、美味しく本当飲めるので、本当量さえ守って飲み方さえ守れば本当に美味しい飲み物なので。あれ、 はい今これお持ちしました。日本米の入った携帯ストラップと、簡単に作れる日本料理のレシピ。これいただいちゃっていいんですか？はい、どうぞ視聴者の皆様にお持ちください。ありがとうございます。皆さん、ということで、この今回のサロンに来れなかった人にも楽しめるように、日本のことをよく、日本の料理を知ってもらうために、これ欲しい人はここまでアドレス送ってください。私が抽選で送っちゃいます。どうもありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。またフブリコンブブレーズ。わ
voilà, c'était un 101% plutôt pas mal dans l'ensemble, vu qu'on était mercredi, et que le mercredi, c'est des 101% qui sont plutôt pas mal dans l'ensemble. Nous sommes le 27 février, mais peut-être que c'est les rediffusions. Oui, parce que vers 1h du matin, on n'est plus le 27, on est le 28. Et si on est en rediffusion et qu'on est le 28, bon anniversaire. Voilà, au revoir.